Retour en Algérie maintenant, où Abdelmadjid Tebboune a fidélisé son ministère des Affaires étrangères. Le président algérien a provoqué la démission de son chef de la diplomatie, Ramtane Lamara. Principale information à retenir du remaniement ministériel d'hier qui a concerné 11 fauteuils, dont celui des finances ou encore du commerce. Et pour Kader Abderrahim, chercheur à l'IPSE, Ramtane Lamara paye des désaccords persistants avec le chef de l'État sur des dossiers clés de la politique extérieure algérienne. La constitution en Algérie est très claire et elle stipule que c'est le président de la République qui donne les grandes orientations en matière de défense et de politique étrangère, de diplomatie. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté. L'ancien ministre Lamara a accepté cette fonction, il a accepté ce poste en sachant pertinemment de quoi il retournait. Aujourd'hui, il démissionne parce qu'il y a des divergences à la fois sur le Maroc, à la fois dans la relation avec la France, à la fois dans le positionnement de l'Algérie à propos de la guerre en Ukraine. Donc cela fait beaucoup de choses. Et puis, il y a tout ce qu'on ne sait pas et que probablement on a dû se dire encore une fois, et comme c'est souvent le cas en Algérie, dans la coulisse, là où personne ne peut voir ni entendre.